les commentaires de YouTube. J'aime trop 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 tes vidéos. J'aime trop 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 ton commentaire. Tais-toi, tu pues. Non, ça va, je pue pas. Normalement, je mets du axe, donc ça devrait aller. Tu plages, il y a CB Games. J'ai vu, t'es abonné à lui. Oui, je suis abonné à CB Games et je vois pas en quoi t'abonner à une chaîne YouTube fait que tu la plagies. Je suis abonné à énormément de chaînes YouTube et je connais et je sais que tous les YouTubeurs dans le monde sont abonnés à des chaînes YouTube. En fait, ton commentaire il est bizarre parce que t'es en train de dire que je plagie CB Games parce que je suis abonné à lui. Ah là là, c'est comme si t'allais dire à Sifano qui plagie Furious Jumper parce que les deux font du Minecraft. Peux-tu nous parler la langue de ton enfance, s'il te plaît? Si tu veux dire que la langue de mon enfance, c'est la langue que j'avais quand j'étais petit, que j'étais bébé, ok. Je parlais comme ça quand j'étais petit. C'est quoi le problème? Le nouveau panda moqueur. Je vois pas comment je pourrais être le nouveau panda moqueur. Je regarde même pas ses vidéos, je sais même pas ce qu'il fait sur YouTube pour de vrai. Donc je vois pas comment je pourrais devenir panda moqueur. Je pense que ce que tu veux dire par là, c'est que mes vidéos sont énervantes comme celle de Panda Moqueur parce qu'il y a une énorme polémique autour de lui. Mais je tiens à dire que Panda Moqueur, franchement, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, genre, je sais pas pourquoi tout le monde a une polémique autour de ce gars. Si tout le monde déteste Panda Moqueur à ce point-là, vous avez juste une solution, c'est de pas le regarder, comme moi. Tu chantes trop bien. Ah, c'est vrai que dans ma salle de bain, je suis vraiment glorieux quand je chante. Je suis le chanteur qui éblouit la salle. Oh, la salle de bain, calmez-vous. Parce que en dehors de ça, je suis quand même en nul en chant. Tu as pris des cours de guitare, oui ou non, Rayton? Non, j'ai jamais pris de cours de guitare ou de cours de n'importe quel autre instrument. Parce que, je sais pas, j'ai toujours été plus à l'aise en fait à apprendre tout seul de mon côté. À essayer de bricoler un peu ce que je peux faire avec. Et avec internet, ce qui est génial, c'est qu'on peut apprendre vraiment tout et n'importe quoi ultra rapidement. Pour toi, je vais faire mon meilleur accord à la guitare. En concert le 3 septembre. C'est moi où il est fou, il faut lui dire que les pastèques ne parlent pas. Mais sauf que si les pastèques parlent, tu connais pas Timmy Pastèque? C'est une pastèque qui sait parler. Regarde, attendez. Timmy, tu peux venir deux secondes? Ouais, voilà, viens là, viens là, viens là. Dis quelque chose à la caméra. Tu te sens pas seul de devoir t'inventer une vie avec une pastèque, avec une voix que tu as rajoutée au montage? Mais non! Je t'aime, refais du WoW, t'as beaucoup de contenu nouveau sur WoW. C'est vrai que je pense refaire du WoW très bientôt sur la chaîne, mais d'une nouvelle manière en fait, parce qu'en fait là, je vais commencer à jouer à l'extension Légion tout seul, vu que mon ordi vient d'être réparé, et je vais commencer à quêter, level up tout seul, et une fois niveau 110, je commencerai, je sais pas, à filmer des raids, des donjons, des arènes ou des trucs comme ça, mais en attendant, je pense pas faire un let's play sur... toute la phase quêting de WoW Légion parce qu'il y a déjà beaucoup d'autres youtubeurs qui le font très bien et j'ai pas vraiment envie de m'incruster dans ça parce que vous savez que je tiens très très mal les très longs let's play et monter des niveaux sur WoW c'est vraiment très long. Alors je pense pas faire un let's play mais je pense faire des vidéos sur WoW une fois que je serai à niveau 110. Timmy Pastèque va devenir une mascotte. Tu vas devenir beaucoup plus connu. J'ai pas besoin de Timmy Pastèque pour être connu. Je suis déjà une énorme star de YouTube. Timmy Pastèque n'est qu'un sous-fifre qui sert à rien. Je l'ai mis dans une de mes vidéos et tout d'un coup tout le monde pense à lui. Mais en vrai, Timmy Pastèque, c'est qu'un bouffon qui... Timmy... ne frappe pas. Et voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je trouvais ça ultra marrant à faire, encore une vidéo là où je lis vos commentaires. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait, ça va faire un ou deux mois. Et du coup, je suis content d'avoir refait une vidéo dessus, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis bien amusé à la faire. Si vous avez des questions à poser pour la prochaine vidéo, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de lâcher un méga pouce bleu si vous voulez voir plus de vidéos FAQ sur la chaîne ou juste plus de vidéos en général. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te trouve une prochaine vidéo. À bientôt, c'est Rayton. Et ciao.